bien voilà, on est prêt pour le début de ce combat de 12 rounds, mesdames et messieurs. Jean-Yves Thériault à 168 livres et Don Oshino Wilson, 176,4 livres. Les champions respectifs de la PK, Jean-Yves Thériault, et WK, Don Oshino Wilson. Jean-Yves Thériault d'Ottawa, 47 combats, 3 défaites, 43 par KO, champion mondial, poids moyen de la Professional Karate, Karate Association. Dans le coin maintenant, Don Oshino Wilson. Il nous vient de Cocoa Beach en Floride. 54 en 34 livres de combat. 4 défaites et une nulle. On pourrait l'appeler le combat de la décennie à deux points, mais on l'a surnommé le duel des champions. Il n'y a pas de titre en jeu. Et regardez les présentements de Jean-Yves Thériault. C'est le premier round. Jean-Yves Thériault, l'homme aux yeux de glace. Et voilà. Gaucher. La gauche. Faites attention, hein. On pensait qu'il est gaucher, hein. Faites attention. Wilson. Présent surtout. On ne dirait pas que Wilson a un avantage de quelques livres sur Thériault. Et Thériault, je pense, n'a pas une once de graisse, voilà, pour le corps. Et toujours, même stratégie de la part de Jean-Yves Thériault, il semble pas tout à fait réveillé au premier round. Mais il est concentré, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a l'air d'une longue gauche, à nouveau. Wilson qui offre des coups de côté. Des side kicks. Des side kicks, on appelle des side kicks. Et voilà. Et tout de suite avec les points, Wilson qui attaque. Jean-Yves qui vient d'esquiver tout de suite. Est-ce que je peux mentionner quelque chose? Oui, oui, je allez-y. Je pense que moi, là... Le rôle est complètement renversé. C'est-à-dire qu'on dit que les Japonais sont très spirituels et très concentrés. Mais tout ça, maintenant, c'est Jean-Yves Thériault qui va. Wilson, un peu trop vedette. Et c'est là qu'il va se faire joindre. Très judicieux, André. Mais ça, c'est de la force, de l'apanage d'un Jean-Yves Thériault. Ah, il a toujours présenté cette image-là. Et Randy Baptiste le confirmait, d'ailleurs, lorsque je l'ai rencontré tantôt. Et là, pour l'instant, toujours au premier round. Exactement. Je pense qu'on a tous bien jugé. Ça ira jamais plus loin qu'il s'y rende. Non. Ça me fait cette idée-là. Et Jean-Yves, ça monte à l'attaque. On se mesure plus que d'autres choses pour l'instant. Ses coups de pied, ils sont pas efficaces du tout. C'est de la danse de ballet, pas du tout. Il y a aucune... Même s'il touche l'adversaire, il n'y a aucune pression. Round aucune numéro 1. Vient de voir le faire. Round d'étude. Thérèse, justement, vous venez de m'enlever les mots de la bouche, mon cher Mongrain. Thérèse, qu'on s'est étudié, par exemple, dans le cas de Don Oshino Wilson, et j'ai remarqué une chose que Jean-Yves Thériault a fait, a laissé Wilson venir vers lui, n'a pas tellement ouvert la machine, et a même laissé Wilson boxer avec lui, ce qu'il ne fait pas d'habitude, Jean-Yves Thériault. Est-ce qu'il veut lui tendre un piège? Jean-Yves Thériault va lui étendre un piège en le recevant d'une bonne droite, parce que les coups de pied de Wilson sont... Il n'y a absolument rien là. On à moins dit, qu'il ne nous ait rien montré à venir. Peut-être. Excusez. Non, non, c'était dans les yeux que ça. On m'a dit, moi, qu'il y avait des soucis extrêmement dangereux, mais je n'ai rien vu là. À moins qu'il y ait quelque chose de caché là. Mais ça se pourrait. C'est une très bonne combine. On a tellement vu Jean-Yves et tellement vu faire ce qu'il voulait avec ses adversaires. Là, on ne le connaît pas. Il arrive avec une réputation dans ses bagages et tout, mais... Enfin bref, c'est l'histoire que nous allons vivre ensemble ce soir. Round numéro 2. Présente surtout, encore une fois, des coups de pied de côté. Et la dernière fois que j'ai vu... Voilà, voilà. Exactement. Une droite de Jean-Yves Thériault. Et Don Wilson, qui a rappelé qu'avec ses points à son tour, ça n'ébranle pas du tout Jean-Yves. Au niveau de la force de frappe, elle a un coup de pied au front. Wilson qui est agile avec ses jambes, à tout le moins. C'est exactement ce qu'on avait dit, hein, que Wilson y irait avec les pieds et Thériault surtout avec les poings. Se repousse. Wilson qui est dans son coin maintenant, adossé au câble. Je croyais que c'était pas être... Ben, c'est vrai que c'est encore un combat jeune, là. Et c'est technique. Souvenez-vous qu'on voulait amener Wilson en boxe chez les Milou. Ah oui? Strictement en boxe. C'est Alexis Arguello
qui devait être ici avec nous, mais je ne l'ai pas vu, certainement. C'est ça, c'est en train de faire la guérilla. Oh, voilà, bonne technique, hein? Oui. La force de frappe de Wilson est jusqu'à ce point dans le combat pas plus convaincante qu'il ne faut. Je dénote une souris toutefois. L'œil gauche, juste dans le coin de l'œil, de Jean-Yves Thériault. Sûrement un entraînement. Oui, je le pense. Et Thériault, il a une arme assez dévastatrice, sa fameuse gauche. Un coup au corps et à la tête ensuite de Wilson. Wilson qui continue de bouger. Jean-Yves qui ne le perd pas de vue, jamais. C'est son regard qu'il faut noter. C'est la fin du deuxième round. Bon, je pense que les études ont été faites. Je le pense, moi aussi. Ouais. Maintenant, on passe aux examens. Je vais vous dire que je tente d'écrire mes chiffres et la main tremble. Oui. Pourtant, serait-ce que je fais du parking? Non. Je vais vous dire que j'ai jamais été aussi... Oui, je pense que je dois remonter à Los Angeles. Side kick en plus. Très bien donné. Mais ça, en tout cas, de mon avis de Jean-Yves Thériault depuis qu'on le connaît, c'est cette façon de se réveiller. Au moment que Wilson tenta de rentrer une droite, Jean-Yves a action plus rapide. Voilà, c'est Joe Corley maintenant de la PKR. Wilson qui continue de... Et regardez les yeux, c'est juste à la hauteur de la ceinture dans le cas de Thériault. Vous remarquez, jamais ne regarde son rival en plein visage. La droite. Jean-Yves, et le coup de pied au corps. Wilson qui varie bien ses coups, mais c'est appliqué sans force pour l'instant. Le crochet qui atterrit sur le gant de Jean-Yves Thériault. Wilson qui présente toujours un côté puis l'autre. Travaille surtout en coup de pied de côté. Vous avez remarqué qu'il change de main aussi, hein? Oui. Il peut boxer autant de la droite que de la gauche. Et Jean-Yves qui lance une droite, qui n'a pas atteint la cible, et le pied. Don Oshino Wilson qui tente de léger coup, maintenant le repousse avec son pied. Jean-Yves qui tente de s'approcher. Il va surtout en technique de boxe, Wilson. Des petits coups de pied qui partent aisément. Jean-Yves qui a tenté un genre d'uppercut de la droite qui n'a pas fonctionné. C'est la fin du round numéro 3. Alors Jean-Yves qui a travaillé au ralenti, je pense, à venir jusqu'à maintenant. Don Oshino Wilson qui nous confiait qu'il avait l'intention de s'en aller en cinéma. On sait qu'il a déjà tourné dans un film. Il a certainement le visage court. Ça paraît très bien. Et il m'avait dit, lors d'une entrevue, il m'avait demandé, Jean-Yves Thériault, de ne pas trop faire de mal à mon visage, étant donné que je voudrais tourner un film au plus vite. C'est pas trop oriental, en effet, André. Ça faudrait se comprendre. C'est sa mère qui est japonaise et son père qui est américain. Alors, à ce moment-là, c'est... C'est la première fois qu'un japonais de se présenter sur scène avec peu de concentration. Tout ce qu'il a d'un japonais, c'est une mère japonaise. Il est né dans les mœurs, voilà, des États-Unis. C'est pour ça que... Round numéro 4 maintenant. Habituellement, Jean-Yves Thériault, à partir du quatrième, est tout ce qu'il a pu réveiller. Il est prêt à passer aux choses sérieuses. Il m'a convaincu qu'il n'a absolument rien sorti à venir jusqu'à maintenant, Jean-Yves. C'est vrai. Absolument pas. Et l'autre, est-ce qu'il, pour l'instant, mélange seulement quand c'est nécessaire? Et voilà, la droite mais sur la poitrine. Wilson qui danse. Je viens d'esquiver. Oui. Et voilà une gauche de Wilson qui atteint la cible. Don Oshino Wilson. Un dossier de 54, 4 et 1, dont 34 knockouts. Jean-Yves qui à son tour mélange un coup au front de droite et de gauche. Wilson qui revient. Les coups au corps maintenant. Et la gauche de Wilson. Le coup au corps, le coup de pied. Don Wilson. Un coup de pied à l'épaule. Autour de Jean-Yves maintenant d'y en appliquer un. Jean-Yves qui manque un peu de précision. Pas beaucoup. Mais Wilson esquive bien cette fois. Et la gauche de Wilson est une droite maintenant. Ouais. En esquive, Wilson marque une supériorité pour l'instant. Et Jean-Yves qui lance ses coups, mais Wilson qui évite à nouveau. Et là, la droite de Wilson qui atteint la cible. Oui, très bien aussi.
Wilson qui... on commence à comprendre pourquoi il est approché en boxe, hein? Oui, monsieur. Vous l'avez dit. Wilson qui travaille. Et là, la droite de Jean-Yves Thériault ne semble pas avoir causé de dégâts. On est au round numéro 4, un combat prévu pour 12. Wilson qui attaque des points maintenant. Repousse Thériault. Et la longue droite de Wilson. Et une gauche maintenant. Jean-Yves Thériault qui demeure impassible devant les attaques de son rival. Et c'est la fin du quatrième round. Je m'excuse, mais je pense que présentement, vous avez M. Wilson qui est un petit peu en avance sur Thériault, mais ça, c'est normal. On vous avait dit, je pense que Thériault, en un certain moment, mais jusqu'ici, vous avez remarqué, d'habitude, il n'a pas sorti d'artillerie. Absolument pas. Des deux mains, il va au corps, d'habitude, juste au niveau du cap des reins. On est justement dans son coin. On lui dit dans son coin, d'ailleurs, d'y aller lentement, de prendre son temps. J'ai l'impression qu'il s'est établi un plan d'attaque, lui, et qu'il est en train de le suivre à la lettre. J'ai l'impression qu'on sent une espèce de retenue, là. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quand. C'est exact, et c'est la raison pour laquelle vous avez cette foule. Le public présentement est extrêmement calme. Sidéré un peu. Round numéro 5. Jean-Yves Thériault, pantalon noir, dans nos chino Wilson, culotte rouge. Jean-Yves qui tente de coincer son adversaire, rend de tête baissée, mais sans conséquence. Et voilà, coup de pied et un autre. Jean-Yves qui force un peu l'attaque maintenant. Aussi dans les gants. Et Wilson qui lance deux coups, deux crochets, mais qui rate. Maintenant, Thériault évite les attaques de son rival. Coup de pied sec dans le coin. On voit que Thériault, là, veut mélanger. Oui. Et coup qui manque de précision encore. Et chez nouveau, chez Thériault, c'est d'habitude, sa précision est incroyable. Il faut dire que Wilson esquive bien. Oui, très bien. Oh, le pro shot maintenant. Attention. Il y avait cette droite qui était prête à partir, oui. Mais il y a eu du retenu. Deux fois, elle a été retenue. Round numéro 5. Le duel des champions prévu pour 12 rounds. Tout le prestige du kickboxing réuni dans ces deux hommes. Et Wilson maintenant qui attaque avec deux droites successives. Et fait mal paraître, Thériault. Très mal. C'est la première fois que je vois ça, presque. Don Wilson. L'avantage qu'il y a, c'est que. Il bouge tout le temps. Voilà. Il a frappé Thériault. Oui, un bon coup de pied, mais qui atterrit sur la garde. Les coudes étaient bas, bien placés. Et encore une fois, la droite de Wilson qui a fait, alors que Wilson a raté, que Thériault a raté. Ouais. C'est inhabituel, Jean-Paul. Et voilà. C'est la fin du cinquième. Très égal à venir jusqu'à maintenant et vous sentez la foule hein, qui présentement est complètement silencieuse. On n'y va pas avec trop de cris. On tente d'encourager Thériault, mais on sent que Oshino Wilson est capable de se battre, chose certaine. Voici. André, si vous voulez regarder cette attaque de Wilson et Thériault qui tente de riposter deux fois. Vous avez vu cette droite? Alors, c'est ça l'avantage de Wilson, c'est qu'il esquive les attaques constamment. Et peut-être Alexis Arguello avait-il raison. Alors, théorie parle. C'est tout. Round numéro 6 sur le point de débuter. Et Wilson qui s'amène un peu plus déterminé. Il présente toujours la même stratégie en ce qui concerne les coups de côté. Jean-Yves qui revient et Jean-Yves qui rate. C'est la première fois que je vois Jean-Yves rater autant de coups. Moi aussi. Dû à l'esquive bien faite de son adversaire, par exemple. Très bien fait.
J'ai l'impression que Wilson, s'il manquait de concentration dans son entrée en scène, lorsque vient le temps de... Ben, il tient Thériault hors d'équilibre continu jusqu'à maintenant. Exact. En voici un bon coup de pied. Attention, en voici un, par exemple. Un bon coup de pied. Et Wilson, qui interroge l'arbitre, je ne vois pas pourquoi. Non, il n'a pas interrogé l'arbitre. En voulant dire à la foule, ben quoi, il n'y a rien là. C'est ça, pas d'autre chose. Et voilà la droite. Et encore une fois, Wilson qui joue un petit jeu dangereux, là. Au centre de l'arène maintenant. Il y a un petit jab de Thériault qui marque. On se retire tout bonnement. Thériault qui fait une idée, je pense. Un peu. Oui. Nadine droite. Jean-Yves qui ne parvient pas à placer ses bons coups comme il le voudrait. Il y a une petite gauche de Wilson qui atteint. Une droite maintenant. Et Wilson, il prend toujours. Oh, attention. Pas peureux, hein? Non. Et il met un peu de moutarde, le monsieur Wilson, en question. Il est en train de défier son homme. Et voilà, c'est la fin du round numéro 6. Est-ce qu'on s'est trop avancé? Solès, n'oubliez pas que j'avais joué au 7e round. Roger Patrice aussi. Oui. Alors, est-ce que Jean-Yves Thériault aurait trouvé chaussure à son pied? Je me confiant, étant donné qu'il n'y a pas eu de coup tellement solide de la part de Danushino Wilson, mais il reste une chose. La technique. C'est le fameux coup de pied de Mawashigiri qui est rentré à la figure. Et je vous jure que la foule, dans le moment... Pourquoi l'interrogation qui flotte au-dessus de l'auditorium de Verdun, d'ailleurs, pour nous tous? Oh, ouais. Là, j'ai entendu le gérant de Wilson vous dire « You're taking him apart ». Et voilà. Il est en train de le couper en morceaux. Ben, Wilson, qui commence à démontrer une certaine vitesse de croisière, bouge toujours. Mais attention, Jean-Yves Thériault n'a pas encore déployé l'artillerie lourde. Et Wilson se tient à distance, hein? D'où son efficacité, sans doute. Un coup au côté. Travaille véritablement à la manière d'un boxeur. Et la droite de Jean-Yves. L'uppercut maintenant. Et Wilson qui continue de le défier. Danushino Wilson. Et il a une bonne tactique. Aussitôt que Thériault vient pour lancer, il entre encore à corps avec et s'accroche immédiatement. Ça peut jouer un tour à Thériault, ça. Malgré que Thériault est un gars qui est capable de déjouer les tactiques adverses. Voilà, Jean-Yves se lance à la poursuite de Wilson. Celui-ci qui recule, esquive, avant de trouver les ouvertures. Et Wilson travaille beaucoup à la manière d'un boxeur. En le moment, oui. L'uppercut de Jean-Yves, suivi d'un coup de Wilson. Des cibles difficiles à atteindre. Ça ne sort pas, Thériault. Non. Oh, la fin! À la cage de play, hein? Voilà. Mais attention. Oui, parce que Thériault, on a vu d'autres, lui aussi. Don Wilson qui veut un peu de spectaculaire à son combat. Et voilà, c'est la fin du 7e round avec un peu de moutarde. Je suis menteur étant donné que j'avais choisi le 7e. Alors, tout peut arriver maintenant. Mais c'est un combat qui est extrêmement serré. Hein. Oui. Oh, et Wilson continue de défier son adversaire. Absolument. Voici. Alors, c'est là que Thériault rentre avec un Mawashigiri. Ah, un Mawashigiri qui a été touché avec le tibia. Et l'autre, il fait la fin. Il rentre avec une droite. Que le coup était légal à un certain moment, le coup de pied. Oui, le coup de pied. Avec le tibia, ils ont le droit. D'accord. En autant qu'il ne poigne pas avec le genou, qu'il attrape pas avec le genou. Si vous étiez de l'autre côté, oui. Dans le cas de Ushino Wilson, dans sa WKA, je pense que vous avez le droit avec les genoux. Il y a un vrai jeu.
plus un coup de bouteille, je vois le doigt. Ils ont le doigt les coups de coude, ils ont le doigt à tous les fauchages dans les jambes. Comme on dit en latin, all out. Ben, c'est bon, vrai. Numéro 8. Allez-y, 8. Eh bien là, ça va plus loin qu'on le croyait. Mm-hmm. Pas grand monde. Faut jamais présumer de rien. Hein? Le dernier a resté 8 rounds devant Thériault, c'est Leroy Hopkins et Danny Macaruso, je crois. C'est ça? Je pense que oui. Macaruso est allé au bout. Attention. Jean-Yves Thériault, même s'il a raté quelques bonnes occasions grâce à la belle esquive de Wilson, n'a pas pu placer ses meilleurs coups. Un bon coup de pied sec, ça, à la manière de Thériault. Un corps à corps maintenant. Et Thériault qui a une bonne garde. Le renverse. Et voilà un autre bon coup. Des coups de pied secs. Jean-Yves qui prend des grands respires maintenant. Oui. Oh. Ah! Ça lance à la poursuite de Wilson qui reste. D'habitude, ça couche son homme, mais pas cette fois. Non. Wilson se déplace très bien. Et là, la droite de Wilson, qui fait très mal paraître Jean-Yves. Là. Ouais. Quand même, il se déconcentre. Les coups au corps et au menton, finalement. Et là, Wilson a décidé d'y aller. Un peu à la manière du Dolopage de Sugar Ray Leonard. Ou de Mohamed Ali. Voilà. Don Oshino Wilson, qui est en train de faire tout état de son talent. Hey, une droite qui atteint la cible. Très bien. Eh bien, John Wilson, j'en viens d'en émerveiller quelques-uns. Oui, monsieur. C'est la fin du huitième. Monsieur Gilbert, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je commence à être très impressionné en ce moment. moi aussi. Là, la huitième ronde, il a commencé à jouer vraiment avec ses punches. Il a beaucoup de combines. Oui. Et dans le moment, il a prouvé une nette supériorité, puisque c'est la première fois qu'on voit quelqu'un se moquer de Jean-Yves Thériault et rester debout. C'est la première fois, et c'est la première fois qu'on voit Jean-Yves rater sa cible. Absolument. Et pas juste une fois. Hein. Plusieurs reprises. That's it, buddy. Three more. Just use those kicks, keep them off you. Keep them off you. Use the kick. On ne veut pas mélanger. Ah, vous voyez pourquoi il veut aller à Hollywood. Il a déjà ce caractère de l'artiste. Et jusqu'à maintenant, il faut l'admettre, il est un artiste. Oui, pardon. Round numéro 9. On lui a dit de continuer avec les pieds, de le garder loin. Et c'est ce qu'il fait. Mais Jean-Yves, tôt ou tard, il faudrait bien qu'il décoche, lui. Oh, il est au tapis! Un strike tout de suite! Au tapis! Au tapis! Jean-Yves Thériault a envoyé Wilson au tapis. Tout de suite, la droite. Attention, l'artillerie, le coup de pied qui atteint la cible. Et là, Wilson n'a plus le temps de jouer. Et la foule qui s'allume tout d'un coup. Et là, Thériault qui veut se lancer. C'est le Jean-Yves Thériault essuie les droites maintenant. Et de gauche, Wilson qui réplique. Et Wilson qui donne des coups au pôle. Et la droite de Thériault. Attention. Attention, voici la matraque. Et voilà la gauche. Jean-Yves Thériault a décidé d'ouvrir. La droite. La gauche. Et Wilson qui veut mélanger avec. Ça, je ne comprends pas. On lui a dit de tenir loin, mais attention. Oui. Surtout, Jean-Yves Thériault qui s'amène, et la file droite. La foule qui tente, Jean-Yves. Wilson qui réplique immédiatement. Jean-Yves Thériault qui parvient à placer beaucoup mieux ses coups maintenant. Wilson qui réplique, et chacun y va d'un coup au menton. Coup pour coup. Jean-Yves également. Si on reçoit, Wilson qui tente de garder, et Jean-Yves qui se prend à l'attaque. Wilson qui a limité le tapis, rappelons-le.
C'est pas assez pour lui donner un compte de 8. Il resterait aux alentours de 19 quand même. Oui. Alors, c'est extrêmement serré. Je dois vous dire que... On est déjà rendu au 6e. Hey. On revoit. Oh, bien donné. C'était solide. Il est relevé rapidement. Ça, je ne sais pas si c'est suffisant pour faire réfléchir et pour redonner cette confiance à Jean-Yves Thériault. Lui qui a atteint la cible beaucoup mieux cette fois au 9e round. Exact. Mais ce que je n'ai pas compris, André, c'est qu'à un certain moment, Oshino Wilson, il mélange coup pour coup avec Thériault, et pourtant, il nous avait bien dit lors de l'entraînement, jamais. Je sais que ses points, c'est avec ça qu'il peut le battre. Alors pourquoi mélanger avec lui? C'est qu'est-ce que ces gars de poids lui mentionnaient. Jean-Yves Thériault qui s'amène toujours aussi calmement. Un coup de pied. Il fait reculer Wilson. Thériault. Il y aura peut-être un certain rattrapage au point à faire. Et là aussi, une droite et une gauche. Son arme de favorite. John Wilson. John Wilson qui boxe un peu plus encore à corps maintenant. Thériault qui le repousse. Très intelligent, si vous avez remarqué par exemple. Ne laisse aucune chance à Thériault à l'intérieur. Hein. Oui. S'accroche tout de suite. John Wilson. Encore maintenant. Et Jean-Yves qui se met un peu plus à l'ouvrage. John Wilson qui le repousse du pied toujours. Repousse Jean-Yves dans les câbles. Thériault. Jean-Yves qui attend les ouvertures. On est au centre de l'arène maintenant. Et la gauche. Et une autre. Bien donné, c'est encore un coup de pied. Qui repousse Wilson. Wilson qui s'accroche. Les deux commencent à ressentir un peu de fatigue. Oh, ouais. Wilson qui repousse Thériault dans les câbles. Thériault qui revient au centre de l'arène. Il est revenu de l'autre côté maintenant. Et Wilson qui évite très bien les coups de Thériault. Thériault tente de lancer la droite, mais... Wilson recule. Et là, vous avez remarqué qu'il y a moins de coups de pied, hein, de part et d'autre. Oui. La fatigue. C'est la fin du 10e. Et le public qui commence à vouloir réclamer un peu plus d'action. C'est extrêmement difficile quand deux gars sont des experts défensifs. Alors c'est l'attaque qui en souffre. Et je vous jure que c'est chaud, monsieur Congrès. Et naturellement, si ça devait être chaud comme ça après 12 rondes et que Oshino Wilson perde par la marge d'un point, il y aura toujours cette critique. Et si ça devait être Jean-Yves Thériault, naturellement, qui perdait par un point, mais encore là, il y aurait cette critique. C'est pour ça qu'on veut tellement qu'il y ait KO. Oui. D'accord. C'est ce que les gens entendent. On veut une victoire décisive. Parce que déjà, Wilson avait dit, en autant que les jugeront selon... La performance des deux kickboxers, et c'est là où ça peut devenir extrêmement dangereux. Round numéro 11. Jean-Yves qui s'incline. Oui, et dans le coin de Jean-Yves, on lui a dit, reste deux rounds, il t'en a besoin. Ouais. Jean-Yves qui va revenir à droite, le coup de pied. Wilson qui rattrape la gauche de Jean-Yves. Wilson qui tente de boxer presque. Il manquait de force et il faut dire que Wilson ne reste pas dans le trouble trop longtemps. Et là, la droite qui atteint et Wilson qui le défie à nouveau. Et voici cette droite, la gauche maintenant. Mais c'est pas comme d'habitude. Non. Ça manque d'autorité. Oh oui, beaucoup. J'ai l'impression que le martelage qu'il subit aux côtes, là, à la longue, Jean-Yves Thériault qui a toutes les difficultés à trouver une bonne cible. Les coups au corps de Wilson maintenant.
dans le coin. Et Jean-Yves qui rate de sa longue gauche. Il n'a pas été avec les coups à la ceinture. Et, non. Un manque de précision. Et là, Wilson qui le défie à nouveau. J'ai jamais vu quelqu'un se moquer autant de Jean-Yves Thériault. C'est la première fois qu'on voit ça. Oui. Pourtant, il va trouver vraiment le moyen de le faire. Attention. Il a la longue droite de Jean-Yves Thériault. C'est la fin du 11e round et la blessure sur le retour tout de suite après cette courte pause. C'est le dernier round, mesdames et messieurs. Et là, ben, c'est toute la gomme. Ni plus ni moins. Le public souhaiterait une victoire décisive, disons, un knock-out. Et Jean-Yves silence, à droite, à gauche, maintenant. Jean-Yves se met à l'attaque. Jean-Yves Thériault qui essuie des jabs du droit de Wilson. Il lance une droite à son tour, mais Wilson s'esquive. Et la précision de Thériault... La tête n'est jamais là, hein? Non. Jean-Yves Thériault qui a beau lancer tous les coups qu'il veut, Wilson les esquive bien. C'est-à-dire, je suis fier, en tout cas. 12e et dernier round. Thériault qui fatigue. Oh. Et on cherche le long coup. Vous avez vu encore, le coup est venu pour partir de la gauche, mais c'est arrêté. Wilson a semblé vouloir se plaindre d'un coup bas, mais ça n'a pas mordu. Ben, la foule s'impatiente un peu. On voudrait bien voir l'un ou l'autre prendre vraiment le dessus. Ah, les coups de Thériault. Vous voyez la tête. Totalement. Les deux, droite. Et Wilson. Et qui nous regarde en voulant dire. Ben, c'est ça. Incroyable. C'est incroyable, hein? Et Wilson qui se moque littéralement de Thériault. Ah ouais, dans le moment, il se moque de lui. Incroyable, mesdames et messieurs. Jean-Yves qui ne parvient pas à placer une attaque sérieuse et continue. Vous savez que s'ils veulent faire un deuxième combat, hein, moi j'y assiste. C'est la fin du match. Peut-être pas l'issue que les gens auraient souhaité. Ben, ils les ont tous eus parce qu'on a donné la prédiction de 7. Puis, ça s'est rendu à 12. Mais je m'excuse, mais au niveau de la décision, je veux, pas. Moi, personnellement, j'ai un point en faveur de Oshino Wilson. C'était un superbe spectacle. En tout cas, c'est lui qui va perdre. Il faudrait certainement garder la tête. Mais on avait tellement une confiance inébranlable dans notre Jean-Yves Thériault qu'à un certain moment, on ne pouvait pas imaginer qu'il perdrait ou quoi que ce soit. Alors attendons la décision des juges. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. On ne veut pas serrer la main. Un des adjoints n'a pas voulu serrer la main à l'autre gérant de l'autre côté. Alors je pense qu'on lit une certaine déception dans le coin, en tout cas, de Jean-Yves Thériault. On n'est pas content, lui non plus, hein? Non. Alors, messieurs, moi, je vous quitte parce que je dois monter dans l'arène faire les trois prochains rounds. Bon voyage. Eh bien, voilà, un combat qui s'est rendu à la limite alors que la plupart prévoyaient quelque chose de spectaculaire, genre knock-out. Mais tel ne fut pas le cas. Et là, ben, on fait grand état des ceintures respectives, surtout celle de Wilson. Wilson, qui, on doit l'avouer, André, a impressionné. Oui, vraiment, Wilson, c'est son avantage. Il a toujours gardé éloigné. Il s'est fait poigner parce qu'il a voulu faire des échanges très, très. Mais il a donné toujours ses sidekicks assez loin. C'est il la première fois qu'il les voit très déçus. Et pour cause, je ne l'ai jamais vu aussi mal paraître. C'est la première fois qu'on voit Jean-Yves Thériault rater ses points. Mais c'est des choses qui arrivent. Il va sûrement se reprendre. La décision. Here are the judges' scores. Le juge Maslach, 115-117, 115-117. Le juge Harrell, 113-118, 113-118. Le juge Verdon,
119, 116, 119, 116. Le juge Penton, 118, 116, 118, 116. Mesdames et messieurs, c'est un combat nul, it is a draw. Je ne crois pas que la décision est tellement prisée des spectateurs ici